Quelque chose ne va pas? Encore une âme perdue qui a besoin d'aide. Désolée, vous arrivez trop tard. Le bureau est fermé. Attendez, qui êtes-vous? C'est vous, la détective? Moi? Non, je suis la secrétaire de Nick. Je gère ses rendez-vous, sa paperasse, ce genre de choses. Enfin, c'était mon métier avant, en tout cas. Mais maintenant que Nick a disparu, je ne peux pas faire tourner une agence de détective sans détective. Vous savez où je pourrais le trouver? Il a disparu alors qu'il travaillait sur une affaire. Le gang de Malone le chétif avait kidnappé une jeune femme. Et Nick a suivi leurs traces jusqu'à leur planque dans la station Park Street. Il y a un vieil abri là-bas qui leur sert de base. J'ai dit à Nick que c'était un piège, mais il s'est contenté de partir en souriant, comme d'habitude. Qui c'est, ce Malone le chétif? Je ne sais pas grand-chose de lui, mais il est de Good Neighbor. Ce qui veut dire que son type d'activité criminelle, c'est le genre costard sur mesure et mitraillette. Je vais le retrouver. Je vous le promets. Merci. Nick devrait être facile à reconnaître. Il porte toujours son trench et son vieux chapeau. Faites vite, je vous en prie. Je te le dis, moi. Se ranger avec la bande à Malone le chétif, c'est la meilleure décision qu'on ait pu prendre. Regarde un peu cet endroit. Moi, je dis que Malone, c'est un tocard. On chope ce fouineur de détective, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il l'enferme. Merde. Comme s'il avait pas les couilles de futer. On est repéré. Vous avez fait du... Sauvez le primé, quittez-le. Que je peux faire? Attendez. Ok. Dans ce cas, je serai là. Mmh.
cette lettre est bon. Allez!
pourrait pas faire moins de barouf, hein? Con ou quoi? Ça chatouille. Éclater la gueule et piétiner ton cadavre. Tout dans les bras, rien dans la tête, hein? Nous maintenant. C'est mieux passé que prévu. Ils ont construit un abri dans une station de métro. Je veux dire, dans le genre hermétique, on a vu mieux? C'est parce qu'ils avaient pas prévu de l'utiliser, abruti. On utilisait pas mal ce genre de famille. C'est bon. Des ennuis en perspective. Un mec syndicalisé pour bosser sur un chantier inutile, histoire de virer personne. Bon. Si tous les journalistes font ça. C'est la fin du voyage. Je te tiens, pauvre bras. Allez-y, parlez. Thank you.
t'as les crocs? Tu voudrais bien quelque chose à becter, hein? Bosse toujours, abruti. Laissera plus de temps à Malone le chétif pour décider comment te faire la peau. Ça. Hey, vous, je sais pas qui vous êtes, mais on a 3 minutes avant qu'ils réalisent que l'autre tas de muscles sans cervelle va pas revenir. Ouvrez cette porte. Chevalier servant. Et voilà. Je me demande quand même, pourquoi vous avez fait tout ce chemin et risqué votre peau pour un vieux privé? Mon fils, Sean, a disparu. Il a été enlevé. Mais je ne sais pas par qui, ni où ils l'ont emmené. Un gamin disparu? Alors vous avez frappé à la bonne porte. Ça fait des semaines que je suis coincé ici. Il se trouve que la fille que je devais retrouver a pas été kidnappée. Elle est à la colle avec Malone le chétif. Et elle a un sérieux pet au casque. Bref, vous avez des problèmes et je suis ravi de vous aider. Mais d'abord tirons-nous d'ici. On causera plus tard. Avant, la bande à Malone, c'était des petites frappes entraînées par les gros bras du quartier. Jusqu'à ce qu'ils trouvent cet endroit. Je sais pas ce qui est arrivé aux occupants précédents. Il y a peu de chances qu'ils réclament le loyer. Un abri vide, la planque idéale. J'entends quelqu'un approcher. Et voilà. Comment on la joue? C'est surveiller le prisonnier. Qu'est-ce qu'il faut? Hé, Lino, arrête d'asticoter ce type et ramène ta fraise. Où il est passé? Qu'est-ce que... Hé, il y a quelque chose là. Regardez qui est là. C'est efficace au moins. Mais j'aimerais pas être à la place de celui qui fera le ménage. Cette porte débloque. Attendez, je vais voir si je peux l'ouvrir. Je suis presque. Et voilà. C'est quand même plus facile quand le verrou est pas de l'autre côté. Je n'ai pas la clé. Hey. Servez-vous. Je pensais que vous aviez plus de jugeote.
Hey. À l'avenir, évitez de nous sous-estimer. Rien, hein? Une minute. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'était quoi ça? Ah. Parfait. Faut croire qu'il n'y avait rien, hein, finalement. Essaye de mettre du mêlée. L'air libre. Toi et Valenstein, vous êtes morts. Où est-ce que vous avez filé? Que vous avez pour moi? Encore des escaliers? Qui a construit ce truc? Un champion d'escalade? Le chétif et ses gars nous attendent quelque part. Ah, et vous fiez pas à son surnom. Ce type est dangereux. Encore une porte verrouillée. Ça devrait pas être long. Bon, j'ai réussi, mais j'entends un pas lourd de l'autre côté. Dès qu'on franchit la porte, préparez-vous au pire. Mickey, mais qu'est-ce que tu fous? Tu te pointes chez moi, tu dégommes mes gars? Tu te rends compte de ce que ça va me coûter? Plains-toi à ta poulette, Malone. C'est à cause d'elle que je suis là. Tu devrais lui dire d'écrire à ses parents plus souvent. Oh, pauvre petit Valentine. T'as les boules de tête fellatées par une gonzesse? T'aurais voulu que je rentre bien sagement chez papa, c'est ça? T'aurais pas dû fourrer ton nez là-dedans, Nicky. On n'est plus dans notre vieux quartier. Ici, c'est moi, le boss. Tu piges. Et c'est pas un pauvre privé qui va nous faire fermer la boutique maintenant que les affaires vont prêtes. Je t'avais dit qu'on aurait dû le buter. Mais fallait que tu fasses dans le sentiment. Toutes ces conneries de bon vieux temps. Ma cache, ouais. Darla, tu la boucles, ok? Je m'en charge. C'est moi le patron, ici. Ah ouais? Alors qu'est-ce qu'il fout là, ce mec? Valentine a dû l'amener ici pour tous nous buter. C'est quoi le rapport entre Nick et vous, au fait? Darla avait fugué. Son père voulait que je la ramène, mais j'ai découvert qu'elle avait quitté la ville pour rejoindre mon vieux pote, Malone le chétif. Un boss de la mafia. J'aurais jamais cru qu'il réussirait à rassembler suffisamment de racailles pour s'emparer d'un abri. La vie est pleine de surprises. Eh, c'est qui le patron, bordel?
Si t'as quelque chose à dire, c'est à moi qu'il faut causer. Vous vous connaissez, vous et Nick ? Ce tas de ferraille était un véritable emmerdeur à l'époque, avant qu'on soit tous virés de notre quartier. Il m'a fait le même coup des centaines de fois. Finalement, les ennemis, c'est ce qui ressemble le plus à des amis dans le coin. Bref, arrête de tourner autour du pot. Tu veux parler ? Parle. C'est un malentendu, Malone. Vous le savez, si vous nous laissez partir, on ne reviendra pas. Vous avez buté tous mes gars et vous croyez que je vais... Oh, c'est bon. T'as de la chance que j'ai une dette envers lui pour cette histoire à la carrière. Je vais compter jusqu'à 10 avant d'oublier mes bonnes manières et de commencer à balancer la purée. Qu'est-ce que tu fous, Malone ? Liquide-les ! Non, Darla. Je leur donne une chance de se tirer. Et tu la fermes. Ma mère avait raison. Vous, les gangsters, vous savez que causer. On ferait mieux de pas traîner ici. Un. Deux. Trois. Du Commonwealth. J'aurais jamais cru être content de le voir un jour. Merci de m'avoir tiré de là. Mais comment vous m'avez trouvé ? Il n'y a pas grand monde qui savait où j'étais parti. Votre secrétaire, Ellie, c'est elle qui m'envoie. Ah oui ? Elle mériterait une augmentation. Bref, vous me disiez que votre fils, Sean, a disparu. Venez à mon bureau à Diamond City. Vous me raconterez tout ça en détail. En plus, ça vous donnera l'occasion de vous reposer et de vous vider la tête. On se retrouve là-bas. À plus tard.